shabarado, shire de nama, shire, shidaro, shena, simarado zia. Oh God, Abba, we thank you. Abba, we need you. Abba, have your way. We need you. We need you, Spirit of the living God. We need you, awesome God. Magnifique Esprit de Jésus. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de l'exécution de ta volonté. La raison pour laquelle tu es parti à la croix, Seigneur Jésus, tu as payé le prix, c'est pour nous rendre capables d'accomplir de nouveau le but pour lequel tu nous avais créés. Car en Adam, nous avions tous échoué et raté le but de Dieu. Tu es venu donner ta vie afin que le but de Dieu soit désormais atteint. Que la volonté du Père puisse s'accomplir et que le Père puisse de nouveau prendre plaisir dans des vases de terre. Et Saint-Esprit, tu es venu pour rendre manifeste et établi tout ce que Jésus a accompli dans l'invisible. Il y a 2000 ans, et il t'a envoyé habiter en nous pour rendre manifeste ce que Jésus a achevé. Toi, tu le rends visible. Alors nous te supplions ce soir, s'il te plaît, viens nous conduire, viens nous porter. Magnifique présence de Dieu, s'il te plaît. Awesome God, les bracos et tes calamars. Oh, entends la voix, le cri intérieur, la voix de nos supplications, la voix de nos gémissements. We need you. Nous n'avons pas besoin d'un homme de Dieu. Nous avons besoin du Dieu des sommes. Nous te supplions. Il y a trop de défis, trop de cas pour lesquels nous n'avons que toi. Nos yeux ne sont que sur toi. Tu passes par les hommes. Mais nous reconnaissons que c'est toi la source et jamais l'homme. La source, c'est toi. Ah, voilà pourquoi ce n'est pas un pasteur que nous supplions, ni un apôtre. C'est toi, Père, que nous supplions ce soir de nous remplir de la connaissance de ta volonté. De nous remplir de ton esprit, de nous conduire par l'esprit et d'étendre ta main sur nous et de nous porter. S'il te plaît, libra kase que te la mara mara moro shedera. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous porter, viens nous remplir, viens nous conduire, viens étendre ta main sur nous. Oh, Paraclet, tu es notre avantage, notre différence, notre distinction. Tu es notre seul atout. Nous avons tout pleinement en toi. Tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Tu es notre différence. C'est toi qui changes les gens ordinaires en extraordinaires. C'est toi qui fais la différence. Oh, magnifique. Les marocs, les ramarés, les
mara roche que la Sierra mara chere ramari chere rara Sierra ramari chere ramara Ce sont les gémissements de nos cœurs. Ce sont des supplications qui montent de nos incompassions. Viens nous porter. Viens nous remplir de la connaissance de ta volonté. Viens nous remplir toi-même. Viens prendre les rênes. Viens étendre ta main. Viens faire la différence. Afin que l'on sache que ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, nous te supplions. Magnifique, awesome God. Oh, ah, ah. Entends les gémissements de mon cœur. Il y a des cœurs assoiffés qui montent vers toi, qui crient à toi. Entends les cris de nos cœurs. Ce sont des cris de désir ardent d'enfanter nos destins. Ce sont des cris ardents de désir de te refléter. Ce sont des cris ardents de désir de vivre la vie à laquelle tu nous as appelés. Oh, il y en a assez. Il y en a assez. Oh, entends la voix de nos supplications. Entends les cris de notre homme intérieur. Et qui dit assez, c'est assez. Ce n'est pas pour ça que le sang de Jésus a été versé, non. Je ne peux pas rester là à cause du prix que tu as payé pour moi. Tu m'as donné un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, et que tu m'as réservé là-bas. Ah, voilà pourquoi, papa, je refuse de rester là où je suis. Je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas à l'endroit où je suis. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est pas la fin de mon destin. Je ne mourrai pas de manière prématurée. Non, non. Tu avais averti, tu avais dit, ils te feront la guerre. Mais tu m'as aussi dit, ils ne te vaincront pas. Abba, 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 Abba. Entends les gémissements de mon cœur. Je t'en supplie, viens me soulever. L'onction fait la différence. L'onction brise le joug. L'onction ôte les fardeaux. Viens ôter les fardeaux. Viens briser les jougs qui retient ton peuple. Viens ôter les fardeaux. Viens libérer. Viens relever. Viens sortir définitivement de la fosse. Viens faire à quelqu'un, Seigneur, prendre un envol comme les aigles. Viens nous faire prendre notre envol là-bas, comme les aigles, aller dans les sommets, aller de hauteur en hauteur là-bas. Allons de hauteur, de sommet en sommet, de profondeur en profondeur. Allons là-bas de puissance en puissance. Allons de pas en pas, de progrès en progrès. De splendeur en splendeur, de beauté en beauté, de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est la dimension où tu marches quand tu sors de la fosse. C'est la dimension où tu opères quand tu sors des fosses. Tu ne vas pas à la dimension de l'escargot, non. Tu rachètes le temps, tu rachètes le temps. Viens donner de la vitesse surnaturelle. Viens libérer la grâce de la vitesse surnaturelle. Élie à pied a couru plus vite que les chariots de Akab. Il a couru plus vite que les chevaux. Il a couru plus vite que les chevaux. C'est ce que fait l'esprit lorsqu'il vient saisir. Oh, nous t'implorons, viens nous saisir. Viens donner du speed sans précédent. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Abba, ne nous laisse pas où nous sommes, non, non. Nous désirons, Abba, racheter le temps. Je ne sais pas pour mon voisin, mais il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de ma vie.
Il y a des histoires, des témoignages. Il y a des exploits qui doivent sortir de ces vases de terre. Oh, ils avaient dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais ils ne savaient pas ce que Jésus transportait. Ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient Jésus, le récipient. Ils ne connaissaient pas le résident. Ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu habitait en lui. Ils avaient mis des limitations sur son histoire. Il y avait des limitations sur sa vie. En fait, pas sur sa vie. Il y avait des... En fait, il y avait des limitations, pas sur Jésus, mais sur Nazareth. Il y avait des limitations sur Nazareth. Parce que Nathanaël n'a pas été méchant. Lorsqu'il a dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Ce n'était pas de la médisance. C'est parce qu'il n'y avait pas de prophétie liée à Nazareth. D'après les prophéties, il n'y a rien. Le Messie devait naître à Bethléem. Ils n'ont pas compris qu'il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Ils n'ont pas compris qu'il est né de Dieu, mais il a grandi dans un environnement ténébreux, duquel il n'y avait aucune prophétie. Nathanaël n'était pas méchant. Quand il a dit, peut-il sortir de bon? De Nazareth, peut-il sortir de bon? Et même les docteurs de la loi ont dit, mais allez fouiller, vous allez voir que de Nazareth, il n'y a rien de bon qui sort. Mais c'est parce qu'ils ont jugé au récipient, c'est-à-dire au corps. Ils n'ont pas compris que quand le résident appelé Christ vient dans la place, quel que soit l'endroit où tu as grandi, tu sors de la fosse, tu sors de l'ordinaire, tu sors du naturel, bienvenue dans le surnaturel. Ils ne savaient pas. Et à ton sujet, à mon sujet, ils ont mis des limitations. Peut-il sortir de bon? Peut-il sortir de la vie de cet homme quelque chose de bon? De la ville où il est venu, il n'y a rien de bon. De son village, de sa famille, il n'y a rien de bon. Mais ils n'ont pas compris que j'ai été conçu par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris que c'est le résident. Le corps, c'est le récipient. L'esprit est le résident. C'est le Christ qui habite. C'est lui qui fait la différence. De la même manière que Jésus était un sujet d'étonnement. Bien-aimé, bienvenue dans la dimension des sujets d'étonnement dans leur époque et dans leur génération. Allez, Maramacha. Amale, Brokosi, Katalama. C'est le cri des destinés. Abba, merci pour la rédemption, pour le Saint-Esprit que Seigneur Jésus, tu m'as envoyé. Oh, malaka les bras qui sauvent la main. Chalare marosie. C'est la baroche. L'Esprit m'a dit, bien-aimé, pour commencer cette veillée, que toute veillée de prière où on te convoque et on te promet que tu ne vas rien faire, tu n'auras pas à prier, l'homme de Dieu va prier pour toi et ça va aller. Oui, ça pourra aller, bien-aimé, mais je n'ai pas vu dans les Écritures un destin enfanté, son cri, son combativité. Il y a la part de Dieu, Dieu est capable. Mais j'ai lu dans les Écritures, les gens dont le destin a été changé, pas les gens qui ont reçu une guérison, mais les gens dont le destin a été changé, sont des gens qui ont dû rencontrer Dieu, sont des gens qui ont dû supplier. L'Esprit m'a dit de te dire, le but de ces veillées qui enfantent le destin, et même le but des réunions de prière qui suivront dans les différentes églises locales ou online, le but, bien-aimé, c'est de t'emmener, c'est de t'exercer au combat, c'est de t'apprendre à engager toi-même, de t'apprendre à prier, de t'apprendre à engager la force de la supplication, de l'intercession, de la prière, du gémissement, des soupirs, de t'apprendre à crier à Dieu parce que tu as compris qu'il est
est écrit que lorsque les justes crient, le Seigneur entend et les délivre de toute leur détresse. Oh bien-aimé, tu es là pour être entraîné. On n'est pas là pour faire le travail à ta place. On est là pour crier ensemble, pour enfanter ensemble, pour t'exercer au combat. Je t'annonce qu'à partir de ces veillées, bien-aimé, la nuit, oh, tu ne seras plus jamais seul. Tu sauras l'art de la guerre. Tu connaîtras l'art du combat. Tu connaîtras, ah, bien-aimé, tu seras redouté comme jamais. Parce qu'il a appris, il a exercé tes mains au combat. Voilà pourquoi nous prenons plaisir à être conduits par l'Esprit dans l'art de la prière, d'intercession, de supplication, de déclaration, de requête, d'accord, d'agrément, toutes sortes de prières et de supplications. Abba, conduis-nous. Il y a toujours la part de l'homme, la part de Dieu et la part de l'homme. Dans Marc chapitre 11, au verset 24, le Seigneur dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez, bien-aimé. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant, en plaidant. En priant, en plaidant. Aïteo, ça veut dire plaider. Ça veut dire exiger. Ça veut dire réclamer. Aïteo, c'est pas je demande. Non! C'est plaider, réclamer, exiger, insister. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, comme il y a des nouveaux qui ne savent pas, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui disent: mais pourquoi il faut être fervent? Pourquoi il faut être bouillant? Il suffit seulement de croire qu'on l'a reçu. J'attends que ça vienne. Oh non, mon ami. Il y en a qui savent, mais il y en a qui ne savent pas. Que le mot recevoir ici en grec, ça ne veut pas dire attends que ça arrive. Oh non, c'est le mot grec lambano. Lambano, ce n'est pas attends que ça vienne à toi, c'est va le chercher. La femme avec la perte de sang, c'est parti. Mais Anne, la mère de Samuel, de l'ancien Abraham, Jacob, Isaac, tout le monde. On a dû aller chercher lambano. C'est parce que le français n'a pas bien traduit ce texte lorsqu'il a dit croyez que vous l'avez reçu. Parce que la traduction littérale, c'est croyez que vous êtes allé le chercher. Et quand vous allez le chercher, vous l'emportez avec vous. Ce soir, tu vas emporter des colis, tu vas emporter la grâce, tu vas emporter le destin, tu vas emporter le témoignage, tu vas emporter l'année scolaire, tu vas emporter cette rentrée, tu vas emporter les 9 prochains mois, tu vas pas attendre, tu vas pas subir, tu vas les prendre, tu vas prendre l'année et tu vas emporter l'année, tu vas partir avec. Oh la papa chapataya, marque les mamas. Emporter ce soir. Ah bien aimé, je ne sais pas ce que tu vas emporter, mais je ne partirai pas à vide. Je vais emporter le témoignage, le transfert de richesse. Oh, je vais emporter le destin. Je vais emporter la faveur. Je vais emporter le miraculeux quotidien. Et mieux que ça, je vais emporter la gloire de Dieu, la présence de Dieu manifestée dans ma vie. À partir de cette veillée, cette présence bien-aimée ne sera plus ponctuelle. Elle ne sera plus le vendredi soir. Elle va t'escorter, t'environner. Elle va t'environner. Elle va t'escorter, t'accompagner, t'habiter pleinement. Elle sera avec toi, bien-aimée. Tu vas l'entendre, tu vas le sentir. Tu vas voir, écouter combien le Seigneur est bon. Je ne sortirai pas les mains vides. Non, 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 non. Je ne repartirai point à vide ce soir. Lorsque Anne était tellement déterminée, lorsqu'elle allait dans la présence de Dieu, lorsqu'elle allait rentrer dans le sanctuaire, lorsqu'elle est sortie de là, elle savait, même si elle n'a pas vu l'enfant, la Bible dit qu'elle est sortie avec le sourire, elle savait. Lorsque Élie lui a dit, va, que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'exauce, le Seigneur te rémunère, le Seigneur te récompense. Anne a changé de visage, bien-aimée. Elle n'a pas encore vu, mais elle savait qu'elle est partie avec une grossesse. Elle est partie enceinte. Tu sortiras enceinte. Tu sortiras
enceinte de destin, enceinte de la fécondité, enceinte du miracle, enceinte de la présence de Dieu, enceinte de la gloire de Dieu, enceinte d'une soif de Dieu sans précédent, enceinte, enceinte d'une ferveur que tu ne connaissais pas auparavant. Oh, tu sortiras enceinte de la faim de Dieu, de la soif de Dieu, de la faim de Dieu. Ah, bien-aimé, c'est ton fondement. Marat, tu vas sortir enceinte. Parce que sans cette soif de sa présence, le feu s'éteindra. Sans cette faim de sa présence, la grâce diminuera. Tout ce qui vient de Dieu est maintenu par la ferveur, la faim et la soif de Dieu. Les bras cassés, Kato Ramazi. Amos chapitre 8 au verset 11. C'est la main. Amos 8 au verset 11. Les bras et les maras aussi. Amos 8 verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Que cette faim et cette soif envahissent et irradient et pénètrent ton cœur. Parce que la soif, c'est le moteur. La soif, c'est le fondement. La soif, c'est ce qui te pousse, bien-aimé. Lorsque les religieux sont rassasiés, c'est la soif qui te pousse à engager l'âme de la supplication afin que Dieu descende dans ta maison, il descende dans ta famille, il descende dans ta vie. Le Dieu qui est descendu sur moi va descendre sur toi. La grâce, la gloire qui est descendu sur son serviteur, il veut la répandre, bien-aimé, afin d'enfanter une armée. C'est sa volonté qu'il n'y ait plus une poignée, mais qu'il y ait une armée. Tu vas devenir un éclaireur de multitudes. Tu vas porter les multitudes dans la prière. Quand tu élèveras la voix, la même grâce va te porter, la même ferveur, le même feu. La présence manifeste de Dieu va t'escorter parce que les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps et Dieu veut accélérer le mouvement, le transfert de grâce, le transfert de manteau, le transfert d'esprit, parce qu'il faut être une armée. Il faut être une armée. Abba. Que cette famine, cette faim, cette soif du cœur de Dieu, du réma de Dieu, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu pénètre ton cœur. Limbra chalerosi che te malarosi. C'est que la mama, c'est recala maroche que le morosia, si ne remare, che le rolira le marossi que bararoche le mala. Ce soir je ne retournerai pas à vide. Anne n'est pas retournée à vide, non. C'est une question de détermination. La femme pécheresse, la femme cananéenne, lorsqu'elle est venue demander à Jésus, voilà une femme qui avait décidé, bien-aimée. Elle avait décidé qu'elle ne retournerait pas à vide. Jésus a tout fait pour l'éloigner. Les disciples ont tout fait pour la chasser. Elle a dit non, je parle à Jésus. Elle arrive à Jésus, Jésus dit, femme, tu veux quoi? Ma fille est tourmentée par un démon. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de la donner aux chiens. Elle dit, c'est pas grave. Si tu voulais me faire partir, tu voulais me verser avec cette parole, je ne vais pas partir. Je suis déterminé à ne pas repartir à vide. Bien-aimé, quelqu'un qui est décidé à ne pas repartir à vide ne repartira pas vide. Cette femme a fait preuve d'audace. Elle a fait preuve de ténacité, bien-aimé. Que cette ténacité rentre dans ton cœur. Et c'est ce qui, le résultat, la manière dont tu repartiras, ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de ta foi, de ton hardiesse, de ta ténacité, de ta résilience, de ta persévérance, de ta détermination, de ta sainte colère. Ah, et tu peux dire à Dieu, Seigneur, moi je sais une chose, tu ne fais pas de favoritisme.
si Anne n'est pas repartie à vide, si cette femme, elle n'était même pas une femme de l'Alliance, c'était une femme syro-phénicienne, une femme cananéenne, elle n'était même pas d'Israël, mais sa foi l'a distinguée, sa foi l'a rendue visible, sa foi, hein? Alors Seigneur, mon cas, moi aussi, je ne sortirai pas à vide, je sortirai avec des paquets, je sortirai avec des grossesses, je sortirai avec des témoignages, je sortirai avec mon héritage, je sortirai ce soir avec l'année tout entière, les 9 prochains mois, je vais sortir avec dans mon colis, je vais emporter à les bras cassés Kotaya, Maria Marosha, Maria Garcia Lama. Ah bien-aimé, déclare que tu ne partiras pas à vide. Je veux que tu élèves la voix. Dis à Dieu, ton pied, mon pied. Moi, je pars. Je scelle les 9 prochains mois. Ce soir, j'emporte les études de mes enfants. J'emporte ma fécondité. J'emporte les guérisons. J'emporte la conversion. J'emporte la distinction. J'emporte le transfert de richesse. Je ne laisse rien. Je vais sortir avec tous les colis que je suis venu prendre. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu ne peux pas honorer la femme pécheresse plus que moi. Elle n'était pas enfant de Dieu. Moi, je suis ton enfant. Maracha lebraka libagarabosa. Tu vas emporter la maison que tu veux acheter cette année. Tu vas emporter le mariage. Tu vas emporter le témoignage. Tu vas emporter la guérison. Arrechale calaboro, ça y est. Chale braque c'est d'amararose. Les bradito les makasi. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez attrapé. Vous êtes venu le prendre. Le Père prend plaisir à distribuer les paquets. Le Père prend plaisir à distribuer les colis. Le Père prend plaisir à distribuer les colis. Que la ramara chalera, alekate la maro chilero. Maintenant tu vas élever la voix, mon frère, ma soeur, et tu vas dire à Dieu, moi, je n'ai personne d'autre que toi. Je ne sais pas si toi tu as des options, tu as des plans de secours, mais nous ici nous sommes nombreux, bien-aimés, à n'avoir personne d'autre que lui. On n'a pas de piston, on n'a pas de nom qu'on connaît, et même les noms qu'on connaît ne peuvent pas nous aider. On n'en connaît qu'un seul qui peut nous aider. Ma Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car Actes chapitre 4 verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais tu vois, Dieu aime quand il sait qu'il n'est pas en compétition. Voilà pourquoi il y a le plus grand commandement et il y a le premier commandement. Le plus grand, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ça, c'est le plus grand, oui. Mais il y a le premier, celui qui vient avant tous les autres, dans Exode 20, verset 3. C'est le premier. Et le premier dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Avant que je ne rentre dans la bataille, si je rentre trop vite, et que tu as été exaucé, on ne saura pas qui, toi-même tu ne sauras pas qui t'a exaucé. Tu vas consulter les marabouts, les prophètes de malheur, les faux prophètes, des bandits, des aventuriers. Après tu viens consulter. Non, non, non. Ce soir tu vas dire à Dieu,
Je demande pardon. La femme avec la perte de sang a consulté les médecins, mais ça n'a pas agi. Maintenant, là, tu es qualifié. Quand tu sais que les hommes ne peuvent pas te secourir, bien-aimé, engage la supplication. Tu vas élever la voix, dire Abba, moi je n'ai que toi, je ne compte que sur toi, je t'en supplie. Je n'ai pas de plan de secours, je n'ai pas de plan B. Il y a, Seigneur, il n'y a pas de médecin, de chirurgien qui est capable d'opérer ma situation, ma santé, mon corps. Il n'y a personne qui est capable de tendre sa main comme toi sur ma maison, mon histoire, ma destinée, mon église, mon ministère. Il n'y a personne qui s'appelle la résurrection et la vie. Personne n'est capable de ressusciter les opportunités passées, ratées. Là où ma destinée avait, la première partie de ma vie avait été un échec. Personne ne s'appelle la résurrection. Alors je viens à toi, Seigneur. Toi seul est la résurrection. Toi seul est la vie. Toi seul est le sauveur. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est bon. Toi seul est compatissant. Toi seul est riche en bonté. Toi seul est miséricordieux. Toi seul est bienveillant. Toi seul est tout puissant, tout suffisant, très capable. Toi seul est mon abri. Toi seul est mon appui. Toi seul est ma cachette. Toi seul est ma forteresse. Toi seul est mon bouclier. Toi seul est ma sécurité. Toi seul est ma vengeance. Toi seul est mon rétributeur. Toi seul est mon juste juge. Là où on n'a pas voulu me donner justice, fais parler ta justice à toi. La justice des hommes ne m'a pas aidé. Fais parler la justice divine. Abba, ne laisse pas les méchants prévaloir. Ne laisse pas les autels maléfiques appartenant à ma famille biologique prévaloir. Ne laisse pas les réclamations des méchants prévaloir. Abba, mes sources sont en toi. Je n'ai que toi. C'est auprès de toi que je viens. Est-ce que tu peux élever la voix? Parce que Dieu aime que tu nous dises qu'il est le seul. Maré Kézé Marama. Abba. Abba. Seigneur, devant cette montagne, je n'ai que toi. Tu es le seul à avoir dit que tu es capable de créer un oasis, des fleuves dans le désert. Alors dans le désert dans lequel je me trouve, Seigneur, je n'ai que toi, je ne compte que sur toi, Abba. Tu es le seul être capable. Tu es le seul pleinement capable d'accomplir les paroles que tu as libérées, les paroles prophétiques. Tu l'as fait pour Abraham, tu l'as fait pour Moïse. Tout ce que tu dis, tu es le seul pleinement capable d'accomplir les paroles que tu as prononcées. Moi, je m'appuie sur toi. Ah ben, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai pas de plan B. Je n'ai personne d'autre vers qui tourner les regards. Ah, 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 ah. Oh, dis-moi, je ne connais pas d'autres chirurgiens comme toi. Je ne connais pas d'autres bâtisseurs comme toi. Moi, je suis que l'argile. Tu es le potier. Seigneur, moi, je ne suis qu'une brebis. Tu es mon bon berger. Je ne connais personne qu'on appelle le bon berger en dehors de toi. Je ne connais aucun autre libérateur que toi. Je ne connais aucun autre bienfaiteur que toi. Je ne connais pas. Je ne connais personne d'autre qui soit décrit comme compatissant, bon, riche en bonté, long à la colère. Abba, je ne compte que sur ta grâce, sur ta fidélité, sur tes compassions, sur ton immense amour. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur ta sécurité, sur ta miséricorde. Je ne compte que sur ta main étendue et ton bras fort. Je n'ai personne d'autre que toi, tendre Père. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus le Christ. Je ne compte pas sur le pasteur. Oh non, Seigneur, tu passes par les hommes. Mais moi, je compte sur toi. Je ne compte pas sur le conseil. Je ne compte pas sur les pères. Seigneur, mes sources sont en toi seul. Ma délivrance, je ne compte que sur toi. Pour mon salut, mon témoignage, pour enfanter mon destin, pour emmener ta gloire, pour m'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Je ne compte que sur toi pour écrire l'histoire de ma vie. Avec le doigt de Dieu, tu as écrit par terre. Tu as écrit lorsqu'on a voulu lapider cette femme. Il
étais en flagrant délit d'adultère. Tu étais en train d'écrire par terre là-bas. C'était le doigt de Dieu. Oh, doigt de Dieu, réécris mon histoire. Doigt de Dieu, réécris ma destinée. Réécris mon histoire, mon témoignage. Je ne compte que sur toi. Je n'ai que toi. Arlo, chacal et ramassé. Si le malaro, si que le malaro. Chale, ramaro, l'idée, la malaro. Tu es le roi des rois, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre que. Tu es le roi des rois, tu es l'unique. Tu es le seul et le véritable. À part toi, personne ne sauve. À part toi, personne ne guérit. À part toi, personne n'est capable de faire taire. De faire taire ces voies de tourment. D'expulser ces serpents. Il n'y a pas d'autre puissance. La magie ne peut rien. Les religions ne peuvent rien. Les philosophies ne sont pas capables de briser l'emprise des ténèbres sur la vie des hommes. Jésus-Christ. À part toi, il n'y a point d'autre salut, il n'y a point d'autre Dieu, tu es. Seigneur, je veux te dire, pour moi ce n'est pas une chanson, c'est une reconnaissance. Tu es le chirurgien de ma vie. Le bâtisseur de ma vie, l'écrivain de mon histoire, le secours de ma vie, les maracos, il n'y a point d'autre sauveur, tu es le roi, il n'y a point d'autre salut, aucune autre main ne peut me secourir, aucune autre main ne peut briser la main des méchants, tu es le roi. Aucune autre main ne peut me soulever. Aucune autre main n'est capable de briser toutes ces voies intérieures qui molestent, oppressent, accablent, accompagnent ton peuple au quotidien. Tu es le seul. Tu es l'unique. Abba. Déclaration de foi, c'est une déclaration d'amour, c'est une proclamation de foi, c'est une proclamation de confiance, c'est une déclaration. Oh, ce n'est pas un chant pour moi, non, c'est une déclaration. Je veux te dire, Abba, Dieu gardé sur la terre, j'ai fouillé dans mon carnet d'adresse. Et je veux te dire, à part toi, Abba, Alpha, Arama, Chale, Ralamazia, aucun homme ne peut me secourir. Personne n'est la résurrection. Personne n'est ma percée. Personne n'est mon rémunérateur. Personne n'est ma justice. Personne n'est mon intercesseur. Personne n'est mon médiateur. Personne n'est mon avocat. Personne n'est mon bon berger, personne n'est mon souverain sacrificateur. Alpha, Seigneur Jésus, je veux te dire, mes sources sont dans toi. Abba, Seigneur Jésus. Ah, il n'y a personne d'autre, s'il te plaît. Je ne sais pas pour les autres, mais je n'ai que toi. La religion ne peut rien faire. Ah, ma conseil à ma. Alpha. C'est vers toi que je lève mon chant. C'est à toi que je fais entendre le cri de mes supplications. Tu es le seul. Tu es l'unique. Ah.
Marusha. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan C. Il n'y a personne qui est capable de me sortir de cette situation. Seigneur, je n'ai que toi. Je compte sur ta fidélité. Tu as dit quiconque invoquera, quiconque invoquera, quiconque invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es le seul capable de me guérir. Tu es le seul capable de me secourir. Tu es le seul capable de rendre ma vie féconde, de rendre mon cœur fécond, de rendre mon corps fécond. Tu es le seul capable de briser d'entrer les bras des méchants qui se baladaient dans mon corps, qui molestaient mon corps, les serpents qui se promenaient. Dans la voix de mes supplications, je n'irai pas voir des prophètes, je n'irai pas voir des joujoux, je n'irai pas vers le vaudou, je n'irai pas vers la magie noire ni la magie blanche. Alpha, les religions ne peuvent pas m'aider. Alpha, dis-lui qu'il est le seul, dis-lui qu'il est le seul. Je ne me suis pas connecté à cette veillée pour voir si Jésus peut faire quelque chose. Non, je me suis connecté parce que je sais que tu peux faire quelque chose, que tu peux faire quelque chose et que tu vas faire quelque chose. Parce que c'est ta volonté de faire le bien, c'est ta volonté de détruire les œuvres du diable. Viens faire ta volonté ce soir. Oh, je t'en supplie. Oh, tu es le seul capable de libérer ma vie des prisons intérieures, des prisons de paresse, des prisons de négligence, des prisons de rejet, des prisons de mort prématurée. Sors ma vie, sors ma vie, sors ma vie, sors moi, sors moi, sors moi. Toi seul est la résurrection et la vie. Toi seul est le libérateur et le bienfaiteur. Christ, à part toi, il n'y a point d'autre salut, il n'y a point d'autre Dieu que toi. La marano chèque de la mort, les bras y conséquent à la main. C'est les maranos, il n'y a point d'autre espérance de la gloire pour moi. Alpha. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, je dis à part toi, je n'en connais pas d'autre. Seigneur, à part toi, les précoces de qui t'amènent. Il n'y a point d'autre salut à part toi, il n'y a point d'autre sauveur que toi. Secourir, de me délivrer de la confusion.
Kama. Il n'y a pas d'autre sauveur. Fumer ma vie, d'assaisonner ma vie, de me transformer, de soulever ma vie, de me catapulter au centre de ta volonté. Il n'y a point d'autre sauveur que toi qui soit capable de tendre ta main. Viens sauver nos vies. Nous te supplions. Entends la voix, le cri de nos cœurs, de nos supplications. Viens faire ces, viens faire taire ces voix. À part toi, personne ne peut secourir. Et là, la bouche, la personne ne peut délivrer. Allez, malos, allez, braquer. Seigneur, je crois et proclame. Je déclare et confesse. Seigneur, par toi, j'en ai personne d'autre. Seigneur, par toi. Seigneur, à part toi, je n'ai personne là-bas. Seigneur, à part toi, je n'ai personne d'autre. Seigneur, à part toi, je n'ai personne d'autre. J'ai dit, je n'ai personne là-bas. À toi. Je n'ai personne d'autre. Seigneur, Seigneur. Seigneur, à part toi. Personne, personne. Je n'ai personne d'autre. J'ai regardé partout. Seigneur, à part toi. Dans ma famille. Je n'ai personne d'autre. Ce problème est trop grand pour eux. Seigneur, à part toi. Cette montagne est trop haute pour eux. Je n'ai personne d'autre. Ce défi est trop grand pour eux. Seigneur, à part toi. Les hommes m'ont dit ne peuvent pas. Les condamnés m'ont dit ne peuvent pas. Les riches ont dit qu'ils ne peuvent pas. Alors Seigneur, je veux te dire, est-ce que tu es en train de lui dire, je crie à ma voix. Tu as promis dans ta parole. Quiconque invoquera ton nom. Faire sortir, pour me délivrer des forteresses, de ces voies de pollution qui me pollue de l'intérieur, soulever ma vie, pour me faire voler comme un aigle. Seigneur, 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 à part toi, je n'ai personne pour faire me faire briller. Au milieu des ténèbres, pour m'accorder faveur. Les hommes n'accordent faveur qu'à ceux qu'ils connaissent. Mais moi, personne ne me connaît. Personne d'autre pour me faire grâce.
Que toi, je n'ai pas d'autre vie que toi, je n'ai pas d'autre lumière que toi, je n'ai pas d'autre sagesse que toi, je n'ai pas d'autre distinction que toi, je n'ai pas d'autre héritage que toi, je n'ai pas d'autre percée que toi, je n'ai pas d'autre gloire que toi. Jésus le Christ. Seigneur, à part toi, je n'ai pas d'autre résurrection, car il n'y en a point d'eau. Je n'ai point d'autre bon berger, je n'ai point d'autre libérateur, je n'ai point d'autre source de paix, je n'ai pas d'autre source de foi, je n'ai pas d'autre bâtisseur. Je n'ai personne d'autre.
toi. Jésus, à part toi. Voilà le genre de prière qui l'agrée. Parce que Dieu est en train d'écarter toutes les idées humaines, toutes les religions, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tous ceux qui ont des titres, tu es en train de les mettre de côté. Tu ne les méprises pas, mais tu lui dis c'est toi. Les autres sont des cadeaux, mais c'est toi la source. Et cette prière réjouit le Seigneur. Parce qu'il sait et il a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il sait qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Il a dit déjà qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et quand tu le reconnais, et que tu mets désormais le focus sur lui seul, alors je t'annonce que cette nuit, il va venir. Arados. Je ressens dans mon esprit qu'il veut venir. Il est déjà au milieu de nous par l'esprit, mais je ne parle pas de ça. Quand Paul et Silas chantaient, il était déjà là par la foi. Il était déjà là en esprit. Mais il voulait venir. Quand il vient, c'est la gloire qui vient. Et quand la gloire vient, alors tout devient imprévisible. Désir, Église. Désire-le. Désire sa gloire. Désire-le. Il veut. Oh, dans la gloire, il y a tout. Quand un chef d'État arrive, il y a tout avec lui. Il peut ne pas venir et t'envoyer quelque chose. Mais quand il vient, dès que sa personne est là, tout ce qui accompagne sa personne, qui est associé à sa personne, vient. Quand il n'est pas là, il peut t'envoyer un colis, il peut t'envoyer un cadeau, appelé guérison, délivrance. Mais quand il vient, l'autorité vient. La puissance vient. La richesse vient. Quand il vient, c'est la sagesse qui vient. Il y a une différence énorme entre l'envoi d'un colis de la part du chef de l'État et la venue en personne du chef de l'État. Parce que quand le chef de l'État vient, ce n'est pas un colis qui vient, c'est le pays qui s'est déplacé. Quand je viens, c'est le règne de Dieu qui a atterri dans ta vie. Que ton règne vienne. C'est ça qu'il veut que toi et moi nous demandions. Parce que quand son règne vient, c'est sa gloire qui vient pour t'accompagner tous les jours. Après cette veillée, dimanche, lundi, quelque chose que tu as reçu de Dieu, ça ne te suffira pas. C'est lui que tu désires. En vérité, c'est de lui dont tu as besoin. Alors il veut venir. Mais quand il vient, ce que le diable redoute, c'est qu'il vienne. Sa gloire arrive. Sa gloire va se manifester ce soir. Marachalekoya. Nemarakosekete. Tu sais que sa puissance peut venir et sa gloire n'est pas là. Quand il a envoyé, c'est un ange qui a fait sortir Israël d'Égypte.
Dieu a envoyé, il a dit, j'enverrai mon ange devant toi. Il a envoyé un ange et l'ange a suffi pour les délivrer. Mais dans Exode 33, Moïse était toujours insatisfait. J'ai vu l'ange. Mais dans Exode 33, il dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. L'ange c'est bien, mais nous c'est toi qu'on veut. Gloire à ton nom pour les anges, le ministère des anges, mais nous, c'est toi que nous voulons. Dans Exode 33, au verset 15. Libra si katoloro si kila marazo. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fais pas partir d'ici. Oh, ne me laisse pas aller si tu n'es pas là. Merci pour le ministère des anges, mais c'est toi. Marie qui t'a ramassé, qui t'a la marasse. Chale marose. Verset 15. Moïse dit lui, non, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Oh, je te dis ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il fera ce que tu lui demandes. Si c'est lui que tu veux, c'est lui que tu vas avoir. J'ai dit, si c'est lui que tu veux. Ah. Bien-aimé, je t'en supplie de m'écouter. C'est le secret de ma vie. Quand la gloire vient, il y a des conversations invisibles. Parce que
c'est ma Bible dans Apocalypse chapitre 4 ou chapitre 5. Il dit du trône sortent des voix. Quand la gloire vient, c'est le trône qui se déplace. C'est le roi qui vient s'installer. Et quand il s'installe, il y a toujours des rémas, toujours des voix. Donc des voix, des éclairs, des tonnerres, des commandements, des ordres, des instructions, des commandements, des jugements. Il est en train de me dire ce soir, quand il va venir tout à l'heure, il y a des voix qui te molestaient dans la gloire. Parce que tu n'as pas seulement besoin que Jésus te délivre. Non. Il est en train de me dire, tu n'as pas besoin que je te délivre, je te guéris seulement. Tu n'as pas seulement besoin que je renverse les forteresses. Tu as besoin. Mais démolir une maison, démolir des murailles, c'est bien. Ça ne construit pas une maison. Tu as besoin que les forteresses soient ébranlées. Et que l'édifice de ta vie soit construit. Amen. Tu n'as pas besoin que d'une délivrance. Tu as besoin d'une construction. Amen. Et tu as besoin d'une signature de l'architecte de ta vie. Je veux toi.
te veux au-delà de tout le reste. Je te veux. Arracha palero massa. Seke la mara, seke tamaro kitama. Je te veux. 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 Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, mais je te veux. Je ne sais pas le formuler, mais je te veux. J'ai mes rapaces. Oh, calme. Oh, calme. Oh, gloire de Dieu, je te veux. Gloire de Dieu, je te veux. Gloire de Dieu, je te veux. Je veux bénir au milieu de ta présence. Cette gloire. Le diable ne va pas résister à la gloire. Merci pour les anges. Mais je te veux. Je te veux. Je te veux. La richesse peut attendre. Le reste peut attendre. Je t'en supplie, la richesse de succès peut attendre, mais en priorité, je te veux. La croissance, je suis d'accord, mais avant toute chose, je te veux. Avant tout le reste. Avant tout le reste, je te veux. Je te veux. Arrechali kale marosa. Alere marachande de baro. Sire la maroche de la maro. Sire mare duli la marosa. Sire marabarase. Si tu n'es pas là, ne nous laisse pas être là. Si tu ne dis pas, ne nous laisse pas dire. Si tu ne fais pas, ne nous laisse pas faire. Oh, oh, oh. Je te veux. Je te veux. Guérisseur, c'est toi le bâtisseur, c'est toi le médiateur, c'est toi le sauveur, le guérisseur.
Seigneur. Je te veux. La rabaucher. Toi en priorité. Toi en priorité. Avant la guérison, oui. Avant le mariage, oui. Avant la fécondité, oui. Car tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je te veux. 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 Libre aussi malheureux. Plus que tout le reste. Avant la percée, la faveur. Je te veux, je te veux, je te veux, la te veux, je 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 vais sortir d'ici avec ta présence, je vais sortir avec ta gloire, tu m'escorteras partout. Environnera en tout lieu. Tu parleras à mon cœur. Tu feras ton ministère en moi. Tu accompliras tes œuvres en moi. Mais avant toute chose, je te veux. Ah, je te veux. Je te veux. Je te veux, 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 je te veux,
enfants. Viens répandre ton esprit. Viens répandre ton esprit. Sur tout le chair là-bas. Dans ce salon, dans cette chambre, dans cette église. Dans ce travail. Lâche, 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 que c'est que le
les œuvres du diable, les œuvres d'infirmité, d'handicap, de paralysie, de cécité, de surdité, de folie, de bon Dieu, au nom de Jésus, sois brisé, brisé, jugé, jugé. L'amour du péché soit jugé dans ton cœur. La faiblesse te guide au nom de Jésus. D'intelligence, les voleurs de lumière, les voleurs de vigueur, ceux qui ont frappé les flèches qui volent de jour, ils ont frappé par les terreurs de la nuit. Que leurs flèches soient retirées de toi au nom de Jésus et retournées à leur expéditeur, à leur expéditeur, à leur expéditeur, à leur expéditeur. Les voleurs de mariage, les destructeurs de mariage, les freineurs, les empêcheurs de mariage, les empêcheurs de faveur, les empêcheurs de grâce, qu'ils soient jugés par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Les hommes forts qui disaient il ne se mariera pas, elle ne se mariera pas, elle n'a pas le droit, qu'il le périsse maintenant, qu'il le périsse maintenant. Que les enfants de l'échec qui disaient il ne brillera pas à l'école, elle ne réussira pas, il ne réussira pas. Maintenant, ils soient jugés, jugés, jugés. Ils ont volé l'intelligence, ils ont bloqué l'intelligence, ils ont restreint l'intelligence. Qu'ils soient jugés, que leur rassemblement, leur réunion occulte, soient jugés par le feu, par le feu, par le feu. Juge-les, juge-les. Au son de la voix de ton serviteur, jusqu'aux extrémités de la terre, réponds-toi. Allah Rabba, Mike Marafa. Que tout esprit de sorcellerie, je parle à quelqu'un, on t'a donné, tu n'as pas désiré, on t'a confié, on t'a désigné, successeur, héritière, héritier de la marmite, du totem, tu n'as pas choisi. Maintenant que tu as accepté le Seigneur, tu veux suivre Jésus, mais il te réclame. Il te force à manger. Il te force à participer à leur réunion. Il te menace de mort. Et parce que tu refuses, il frappe ta tête. Il frappe tes organes. Il t'agresse de tous côtés. Il te moleste et te tourmente. Parce que on t'a désigné successeur. On n'a pas demandé ton avis. Ils disent, tu vas céder, sinon tu n'auras jamais la paix. Shakata lamas, moro shakete lamas, rise ma kararo mo seke lamama, shomere yarama. Va te reconnaître,
Les bras qui sont tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. Tu chasses, mais ça ne marche pas. Ce soir, la gloire de Dieu est là. Ah, ah, ma carte est lèvre aussi. Parle que mala. La gloire vient mettre un terme à ce combat. La gloire vient mettre un terme à ces réclamations. La gloire vient te libérer. La gloire vient te soulever. Cette coalition qui te disait non, tu viens maintenant au nom de Jésus à trois à là-bas la gloire te foudroie, le feu les brûle. Nous envoyons le feu dans leur rassemblement, dans leur réunion occulte. Que le feu atterrit dans leur réunion à trois. Le feu atterrit. Le feu les disperse. Le feu les poursuit. La colère de Dieu les atteint. Et que le juste juge les juge ce soir. C'était leur dernière nuit de paix. Leur dernière nuit d'invocation de la mort. Leur dernière nuit de sortilège, d'envoûtement, d'enchantement, de malédiction. Ce soir, c'était leur dernière nuit. La gloire va atterrir dans les rassemblements occultes. Elle est consumée. Je dis un. Macalobria. Je dis deux. Les bracasekotaya. Sinamakorosia. Tout rassemblement mystique organisé dans ta famille. Je ne sais pas à quel endroit. Dans la Caraïbe, en Afrique, en Europe, en Haïti, en Amérique, en Asie, quel que soit l'endroit sur la terre, à Tahiti, tout rassemblement dans lequel on avait appelé ton nom, on avait appelé ton histoire, tes enfants, on avait bloqué ta fécondité, bloqué ton éclat. Makalebruseke, Shilamadama, remalève les mains, les bras qui sautéa. Sert de point de contact avec la gloire. Lorsqu'elle te touche, le feu les disperse, le jugement les poursuit, le jugement les atteint. Malépaissé, à cause d'Itamaya, j'ai dit, toi, gloire de Dieu fond, atterrit maintenant. Power, 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 power. Confirme. Confirme la parole, confirme la parole, confirme la parole. Feu de Dieu, juge-les, 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 poursuis-les, poursuis-les. Que ta colère les poursuive, que ta rétribution les atteigne. La barracassée, par la barracie, ma carte est rosaïa. Les bras sauts, ma à la mort, chalet la bassia, rocosé qui était là-bas, la rabaka le monsaya, chalet maya, je proclame la ruine des hommes forts et les problèmes de leur forteresse, ma racosité baya, c'est que tombia, c'est kotoya, je proclame la déchéance. Des hommes forts, des esprits humains, des hôtels occultes, des hôtels maléfiques, des hôtels sataniques qui parlaient contre ton destin, qui parlaient contre ton témoignage, qui parlaient contre ta splendeur. Je proclame la déchéance, leur jugement, leur jugement, leur jugement. Le jugement des forteresses, le jugement des forteresses. Amos 5, verset 9, avec la version seconde 21. Le jugement des forteresses. Abat les forteresses. Fais tomber les voies forts. Les hommes
fort et leur forteresse. Qu'ils soient abattus, 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 abattus. Les Barassia, chez la Barassia, Marosa, ce soir, le Seigneur fait venir la ruine sur les enfants et la ruine sur les forteresses. Ah, chez les Barassia, chez Bredasia, chez Kotoba, chez Tetete, Rossi Kataya, chez Nimrosia, la ruine vient. Chalem Brasia, ils sont en train de prendre la fuite. Que la main du Seigneur les poursuive. Là, la parole du jugement les poursuive. La parole de jugement les poursuive. C'est un feu qui le poursuit. C'est un marteau qui brise le roc, qui brise leur crâne, qui brise les bras des serpents, les scorpions, les pitons, les boas, que leur marmite, leur sépulcre, leur réunion prennent feu, prennent feu, prennent feu. La gloire vient de sortir, la gloire vient de libérer. La gloire vient libérer ta famille, elle vient libérer tes enfants. On ne t'entendra plus, homme fort de la sorcellerie. Vous l'aviez consacré de force. Il, elle ne veut pas de votre héritage. Voici le sang de Jésus. C'est le sang qui a été brandi pour leur rédemption, versé pour leur rédemption. Nous venons de la part de Jésus-Christ, notre grand frère, faire sortir tous les otages. Quiconque s'oppose à ces paroles de son serviteur, dès cette nuit, qu'il soit écrasé! Il ne se relève pas, il ne se relèvera jamais, sauf s'il se repent et demande pardon à Dieu. Sinon, il reste couché sur le lit de l'affliction. Qu'il soit écrasé! Nous venons de la part de Jésus, notre grand frère. Libérez les cerveaux, libérez les mariages, libérez la productivité, libérez la splendeur, libérez la diligence, libérez la joie, la paix, libérez la percée, la faveur. Nous venons d'arracher, arracher, arracher, arracher. Quand tout joignez. Tout geôlier de perversion sexuelle, tout geôlier de débauche sexuelle, quelles que soient les formes de perversion et d'immoralité, tout geôlier, vous aviez pris en otage les parents, vous aviez pris en otage les enfants, en les oppressant, les harcelant avec des voix de cochon, des images pornographiques, des rêves érotiques. Ce soir, ah, Sakataya, Marlo Sakata, nous venons de la part de Jésus faire sortir quiconque s'oppose à ces paroles, qu'il soit taillé en pièces, écrasé sous nos pieds, jeté dans les désarides. J'ai dit écrasé. Maintenant, coupe la tête de cette sirène, coupe la tête de ce serpent, coupe
flatté de cet esprit de séduction. Nous te réprimons, dégage, dégage. Tu pars avec tes voix, tu libères nos enfants, tu libères nos frères, tu libères nos soeurs, tu libères les célibataires, tu libères les mariés, tu libères les enfants, tu libères les adolescents. Tu les libères. J'ai dit, tu les libères, tu les libères. Lâche, lâche, lâche. Esprit impur, esprit impur. Lâche, lâche, lâche. La main du Seigneur est contre toi. La gloire est venue te faire sortir. La gloire. Les bras yarama. Chalemara. Déclare que tu sors. Ces voix que tu entendais, tu ne les entendras plus. Ce soir, j'ai dit, les voix, les images, tu ne les verras plus. Les voix, tu ne les entendras plus. L'amour du péché quitte ton cœur. La gloire serre ton cœur. Tu vas connaître l'étreinte de l'esprit d'amour. Quiconque s'oppose à ses paroles, qu'il soit jugé, châtié, réduit à néant ce soir. Je dis ce soir. J'ai dit ce soir, c'est la nuit de ton destin. Arrache, arrache, détruis tout ce qui attaque tes enfants. Les esprits de débauche qui vont passer cette année par les mauvaises fréquentations à l'école, au travail. La bracosito que la masia, par le sang de Jésus. Nous éloignons de nos enfants les mauvaises fréquentations. Les fréquentations de débauche, d'impunicité, d'impureté, d'immoralité, de perversion, que ces faux amis soient éloignés de tous nos enfants, soient éloignés de toi, ma soeur. Les occasions de péché soient éloignées de toi, mon frère. La ramo chalikata. Quiconque avait bloqué ton foyer, mais quiconque t'avait destiné à être son instrument sexuel de débauche et de masturbation et de perversion, ce soir, il ne survivra pas à cette soirée. La maraba, son bras sur ta vie est brisé. Esprit impur. Dégage! J'ai dit dégage, dégage, dégage! Le feu de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Le feu de Dieu vient sur toi. Allez, dégage! Libère! De défaite, de négligence, de nonchalance. Je parle à ces voix intérieures qui te disent tu es nul, tu n'es pas capable, tu réussiras jamais, tu n'as pas ce qu'il faut. C'est la voix du menteur. Tu peux tout par Christ qui te force. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. La roque Zekopra. Toutes ces voix
qui t'accompagne au quotidien. Tu veux faire, dès que tu as le projet, elle te dit laisse tomber. C'est la voie du découragement. C'est la voie de l'échec. C'est la voie de l'imitation. C'est une voix qui parle aux parents. Mais c'est aussi une voix qui se transmet aux enfants. Ne vise pas loin dans la vie. Regarde ton papa. Peut-il sortir de bon quelque chose de ta famille? Ne va pas loin. Contente-toi d'un CAP. Le CAP n'est pas mauvais. Mais aucune voix n'a le droit de te dire ce que tu dois faire. Et de te fixer une limite, aucune voix. La ramasso qui était la valise, c'est les marabouts. Tu vas élever la voix. Et prendre autorité sur cette voix de l'échec. Cette voix qui parle aux enfants. Cette voix qui parle aux parents. Tu es dans ta famille. Personne n'a dépassé taxi. Personne n'a dépassé tel niveau. Reste moi là, tu vas aller où? Reste ici, c'est pas pour toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voix d'orgueil. Voix orgueilleuse et prétentieuse. De limitation. D'échec. De pauvreté. De découragement. Sois sans pitié. Fermez la guerre. À partir de cette nuit, tu ne l'entendras plus. Élève étudiant, tu n'entendras plus cette voix. Tu n'entendras que la voix de l'esprit d'excellence, de diligence, d'audace, de foi, de productivité, de lumière, de splendeur, de vérité, de gloire. C'est lui que tu entendras. Il te dira va plus loin. Il te dira ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il te dira avec Dieu nous ferons des exploits. Vas-y. Élève la voix. Tu n'es pas en train de prier que pour toi. Nous sommes en train de réprimer tout ce qui veut faire échouer ta vie et nos enfants. Tous les enfants d'Impact Saint Chrétien seront des témoignages et des lumières à la gloire de son Satan. Dès lors, que toute voix qui retentit dans nos enfants et dans les parents pour leur dire non, c'est pas pour toi. C'était ton dernier jour où tu allais être entendu. Réprime-les au nom de Jésus. Malakosikataya. Nous venons contre toi, contre vous. Esprit d'échec, esprit de découragement, esprit de limitation qui polluait les cœurs de nos enfants, les cœurs de nos bien-aimés, les cœurs de quiconque est connecté à cette fréquence spirituelle. Tu es toujours là pour décourager. Tu es toujours là pour lui faire le dos bossu. Tu es toujours là pour le rabaisser. C'était ton dernier jour. Ton dernier jour. Ton état de siège dans cette âme. Nous le brisons ce soir. Nous le brisons ce soir. Lâche. Lâche. Esprit d'échec. Dans le nom de Jésus-Christ. Libère ses mains. Libère les mains. Libère les mains. Libère la tête. Libère. Libère. Avec ta petite vision. Dégage. Dégage. Dégage de ses yeux. Libère ses yeux. Libère sa tête. Libère son intelligence. Libère ses mains. Libère. Tu es jugé par le feu. Tu es jugé par le feu. Dégage. On ne t'entendra plus. Jamais. Jamais. C'était ton dernier jour. Nous proclamons ta destruction par le feu. Ton étau est brisé. Ton état de siège prend fin maintenant. Je déclare les cœurs libérés de ton joug, de ton étau, par l'esprit du
Seigneur Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, on te cherchera, on ne t'entendra plus. J'ai dit, on ne t'entendra plus. Libra cause que te lama, Zokotoka, Sidirama cause que te lama, Rocha libra kitoli ala. Nous sommes en train de prier pour l'église et de prier pour les enfants de l'église. Leke barako seketa, malakosia. On n'entendra plus la voix de l'esprit de débauche et de perversion. Il a quitté. On n'entendra plus la voix de l'esprit d'échec, de limitation, de découragement. Il a quitté. Tu ne l'entendras plus. Shalarabaro siketa. Sokopa, l'esprit de peur. Libro Gosia, l'esprit de tristesse. Choleka, ils ne font pas exprès d'avoir peur. Ils ne font pas exprès d'être tristes. C'est une voie, c'est une forteresse. Tu commences par l'esprit de tristesse. Tu empêches de rendre grâce. Tu veux faire sombrer et demeurer dans la lamentation, l'apitoiement. Tu manipules les émotions, les sentiments. Tu manipules les pensées de mon frère et de ma soeur. Tu t'appuies sur des événements passés pour faire une pause, pour que jamais ils avancent vers leur destin. Tu veux les clouer en sol, les immobiliser. C'est ton mandat de faire en sorte que leur vie s'arrête sur un événement passé et ne progresse plus jamais. Esprit de tristesse! Maragos était là-bas. C'est un esprit de mélancolie. Chez les malades, tu te sers de n'importe quelle occasion pour rendre mon frère, ma soeur et nos enfants tristes. Et tu veux les maintenir dans la force de la lamentation, de l'apitoiement, parce que tu veux empêcher leur destin d'être enfanté, la grâce de surabonder. Tu veux freiner le flux, le flot de la grâce en les empêchant de rendre grâce en tout temps. Tu es un manipulateur, tu es un bloqueur de destin. Mako Zeketo Lama, Shalarabarako Zekete. Tu emmènes les gens, tu leur dresses toujours un portrait négatif du futur. Tu emmènes les gens à se lamenter à crédit, au lieu de se réjouir à crédit. Tu emmènes les gens parce que tu contrôles leurs émotions. Et dès qu'ils pensent futur, ils se sentent tristes, ils ont peur, ils sont toujours en train de pleurer pour des événements, alors que Dieu peut faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Mais l'esprit de tristesse va toujours te montrer un futur sombre et triste parce qu'il voile ta vision. Et il empêche Dieu de te montrer ton futur et de te réjouir à propos de ton futur. Il te maintient la tête dans le sable de ton présent en train de te dire, tu n'as pas de futur. Voilà, il n'y a pas d'espérance pour toi. Si, il y a une espérance pour toi. Jésus-Christ est ton espérance pour toi. Au son de ma voix, que toute emprise de l'esprit de tristesse à cause d'un décès, à cause des divorces de tes parents, à cause du départ de quelqu'un qui t'était cher, à cause de quelque chose, d'un confort que tu as perdu, c'est une forteresse qui essaie de bloquer ta vie et t'empêcher de te réjouir en avance, et t'empêcher de voir un futur, et t'empêcher d'être enthousiaste. Il est là pour voler la joie de ton salut, voler la joie que Dieu veut que tu aies en espérance. Tu vas parler à cette forteresse, cette voix, même si tu n'es pas concerné. Plusieurs personnes au son de ma voix sont concernées. Nous allons leur faire la guerre. Ce soir, c'est la dernière nuit où tu entendras cette voix. La voix de la tristesse, la voix de la mélancolie,
la voie de dépression emmène jusqu'à la tentative de suicide et la mort prématurée. Tu as échoué sur nos enfants. Tu as échoué sur les membres d'un parc Saint-Chrétien. Et nous proclamons ce soir que ton état de siège, les âmes que tu as assiégées, sont libérées de ton emprise. Ta main est brisée. Dans le nom de Jésus, élève la voix, élève la voix. Que cet étau, cette emprise de l'esprit de tristesse, l'esprit de découragement, l'esprit de mélancolie, l'esprit de dépression, l'esprit de suicide, soit brisé, 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 brisé. Maintenant, ce soir lâche, ce soir libère, dégage. On n'entendra plus ta voix. On n'entendra plus ta voix. Libère. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nos enfants n'entendront que la voix de l'esprit de foi, l'esprit de louange, l'esprit de joie, l'esprit de célébration. Dans le nom de Jésus, dans le nom. Je déclare le joug de la dépression brisé sur ta vie. Je déclare le joug de la tristesse brisé sur ta vie. Là où ta vie avait été mise en pause depuis des années, tu étais en pause. Je libère ton destin. J'envoie la grâce pour libérer ton destin. Je commande que la grâce te localise et te donne de l'accélération pour embrasser ton futur, pour embrasser les projets de paix. Que le Seigneur te console définitivement. Que la joie du Seigneur soit ta force. Et que le Dieu de consolation te venge de tes ennemis. Et comme il a fait à Job, que tout ce que tu as perdu te soit restitué. Tu as perdu des enfants, il te console et il te donne des enfants de la promesse. Il te donne des enfants spirituels. Ne te tais pas, il y a une parole qui est en train de venir, ne te tais pas. Chédéré Marasi, Totoré la Mariazé, Chédéré la Mané. Thank you.
Seigneur parle à une personne qui a perdu des enfants, au moins un enfant. Et il est en train de me dire, Naomi aussi a perdu ses deux fils. Ils étaient tout pour elle. Elle était remplie d'amertume. Sa vie a été mise en pause. Elle a perdu son mari. Comme si ça ne suffisait pas, elle a perdu un premier enfant. Elle a perdu un deuxième enfant. À la lumière d'aujourd'hui, tu comprends qu'il y avait un esprit de mort qui s'abattait sur cette famille, une malédiction. Ruth avait perdu le goût de la vie. Elle ne pensait pas qu'elle sourirait de nouveau. Et Dieu lui a envoyé une femme dont il a touché le cœur. Naomi. Et Dieu a envoyé à Naomi Ruth. Cette femme a perdu son mari et ses deux enfants. Et Dieu lui a donné un seul enfant. C'était une fille spirituelle. Et regarde ce qu'il dit au verset 14. Les femmes diront à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Une seule personne, née d'esprit, avec un cœur de Dieu. Dieu va te connecter à ce genre de personnes. Et une seule personne va valoir pour toi sept fils. Tu en as perdu deux. Cette femme en valait sept. Le chiffre de la perfection. Le Seigneur restaure ton cœur. Tu sors de la forteresse de la tristesse. Tu sors de la forteresse de l'abattement. Le Seigneur te console. Et cet esprit que tu as invité malgré toi est parti ce soir. Son état de siège est brisé au nom de Jésus. Quelle que soit la raison de ta tristesse, la tristesse a un agenda. C'est de mettre en pause toutes les paroles de Dieu concernant ta vie et de te dire que ta vie est finie. Non, ta vie n'est pas finie. Ta vie continue et elle prend de la vitesse au nom de Jésus-Christ. Que l'étau de la tristesse soit brisé dans le nom de Jésus. Tu n'entendras plus cette voix. Elle ne viendra plus harceler nos enfants. La tristesse parce que les parents sont séparés. La tristesse parce que les parents se querellent. La tristesse parce que tu n'es pas dans la même classe que tes copains ou tes copines de l'année dernière. La tristesse essaie de se frayer un chemin par tous les moyens. Cette voix de tristesse est brisée totalement. Tu n'entendras plus jamais. Tu n'entendras que la voix de la joie, de la louange, de la célébration. Salam la bouche. C'est. On n'a pas fini. La gloire. Je sortirai de là avec ta gloire. Je sortirai. Avec, tu sortiras avec le jardin d'Éden. Le jardin de sa présence va t'escorter. Je sortirai de là avec ta présence. Présence manifestée. La gloire de Dieu.
la hausse. Je sortirai de là avec ton dépôt, avec le son de ta voix. La voix de l'amour, la voix de la joie, la voix de la paix, la voix du courage, la voix de la douceur, de la bonté, de la fidélité, la voix de la foi pour faire des exploits. Au revoir la peur. La forteresse du rejet est abattue ce soir. La braco c'est que t'es là-bas. Tu sortiras libre du rejet. Tu n'es pas rejeté, tu n'es pas une mauviette, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. La gloire de Dieu vient étreindre et serrer ton cœur. C'est un menteur qui te parlait, c'est une voix de mensonge qui te parlait. Élève, étudiant, parent, maman, papa, tu n'es pas rejeté, c'est un mensonge. Dans la bouche, allez là. Bien-aimé, l'esprit de rejet est pervers. C'est un menteur. Quoi que tu dises, tu es fatigué. Quoi qu'on te dise, tu es fatigué par ces voix qui te disent, mais suicide-toi seulement. Personne ne t'aime, tu vois pas? On ne t'accepte pas, personne ne t'accepte. Les gens se méfient de toi, toujours en train de te dire, les gens. Sors ton épée. Et cette voix parle aux enfants. Pendant l'année scolaire, il suffit qu'il y ait un incident en classe, qu'il y ait un groupe et que tu sois hors du groupe, et que quelqu'un te méprise. La voix du rejet va venir, elle va tenter nos enfants et dire, tu vois, tu es seul, personne ne t'aime, tu ne comptes pas, tu n'as pas d'importance. Si tu es important pour Dieu, tu es la prunelle de son œil. Tu n'es pas n'importe qui, tu es accepté de Dieu, tu es bien-aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu es célébré. Il y a eu de la joie au ciel le jour de ta nouvelle naissance. Mais cette voix tétanise, elle pollue les hommes et les femmes. Tout à l'heure, toutes ces prières vont être scellées par l'onction d'huile. Nous allons réprimer cette voix, ordonner que plus jamais elle ne soit entendue, ni en toi, mon frère, ma soeur, ni en nos enfants. Et que là où elle va venir essayer de parler au cœur de nos enfants, qu'elle dégage. Nos enfants sont programmés cette nuit pour l'excellence, l'éclat, la splendeur, la lumière, la supériorité sur tous les élèves de leur école. L'esprit d'excellence va les saisir. Il n'y aura aucun cancre, il n'y aura aucun paresseux dans les enfants d'un Pax chrétien et dans les parents d'un Pax chrétien. Sors ton épée, réprimant cette voix de rejet, menteur. Brise son état de siège. Il se cramponne sur l'âme. Brise cette main. Dégage l'esprit de rejet. Élève la voix, bien-aimé. L'otasa. Lâche nos enfants. Lâche nos frères. Lâche nos sœurs. Esprit de rejet, menteur. La recosakatayama, seketa la brasikoto, sekete la makosikota là-bas. C'est cet esprit de rejet qui emmène les gens, à cause d'une simple remarque, à quitter une église, juste parce que la voix lui dit, on t'a méprisé, on t'a mal parlé, va-t'en. L'esprit de rejet est un esprit qui est là pour t'enlever de ta famille, te faire sortir d'une famille de destinée, d'amis de destinée,
alliance de destinée. Le rejet va te faire sortir à cause de l'amertume, à cause de la sensation qu'on ne t'aime pas. C'est un menteur. Il veut te faire dévier du chemin que Dieu a préparé pour toi. C'est un menteur. Esprit de rejet, nous brisons ton étau, nous brisons ton état de siège, nous te réprimons, nous t'éteignons. Tes voix, on ne les entendra plus. Libère les cœurs, libère les cœurs. À la ramasse, et des maracos et à la ramasse, et mes larodies. Il faut l'entretenir, il faut la cultiver. Tu vas sortir avec cette présence. Elle change la nature et la qualité de ta vie de prière. Tu emmènes Éden. Tu te déplaces avec Éden. Où que tu te retrouves, c'est Éden. L'environnement de sa présence. L'environnement. Voilà pourquoi tu es intouchable. Voilà pourquoi la voix du serpent qui voulait venir dans ce jardin. Voilà pourquoi on est en train d'abattre les forteresses. Afin que toute cette année scolaire qui démarre, cette rentrée, jusqu'au mois de juin prochain, aucun tentateur ne viendra te séduire. Aucun serpent ne viendra t'ébranler. Ne viendra ébranler ta maison. Tu es en train de prier pour consacrer toutes ces 9 prochains mois. Nous allons prier pour tous nos enfants. Afin que cette gloire, elle a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des sons. Que Dieu répande son esprit. L'école est un champ de bataille terrible pour
une lutte d'influence. L'école, c'est le monde. Nos enfants sont agressés. Nos enfants sont tentés. Nos enfants sont épiés, observés. Ils ont besoin. Pas de prier. Ils ont besoin de rencontrer le Saint-Esprit. Ils ont besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont besoin de l'audace du Saint-Esprit. Ils ont besoin de la conscience du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être enivrés du Saint-Esprit. Quel que soit leur âge, ils ne sont pas trop jeunes pour être saisis par le Saint-Esprit. Il veut répandre son esprit sur toute chair. Et quand l'huile va les toucher tout à l'heure, ce dépôt sera scellé. Ils seront connus pour avoir été rois d'Esprit Saint et de parole. Nos enfants n'ont pas besoin de prier seulement. Ils ont besoin de tomber amoureux du Saint-Esprit. Ils ont besoin de sentir la présence du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'entendre la sagesse du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'avoir l'audace du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'avoir la conscience de sa présence. La conscience que nulle part ils sont seuls. Ils ont besoin de l'entendre. Lui dit, je suis avec toi. Fais comme ça. Ah non, cette personne, non, ce n'est pas un ami. Éloigne-toi d'elle. Ils ont besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit parce que là où ils sont, c'est le monde, mon frère, ma soeur. Les parents en ont besoin, bien sûr. Mais les enfants sont un héritage. Les enfants déterminent si tu as réussi ou tu as échoué. Si on t'acclame dehors que tes enfants sont un naufrage, il n'y a aucun sujet de fierté, car il n'y a aucun succès sans succès seul. Les enfants sont la cible que le diable vise parce qu'il sait que quand tu touches aux enfants, ce sont les parents qui sont affectés. Voilà pourquoi ils ont besoin que la main du Seigneur les localise comme jamais. On ne leur demande pas de réciter des prières. Que le Saint-Esprit les touche. Que le Saint-Esprit se révèle à eux. Que le Saint-Esprit leur révèle l'amour de Jésus. Que le Saint-Esprit les remplisse et les embrasse. Et devant la voix, prions pour tous les enfants de toutes les églises en personne chrétienne dans le monde. Est-ce que tu es en train de prier? La Tere Ramaza. Tu es en train de prier pour les enfants. Si tu n'en as pas, bien-aimé, tu es en train de prophétiser et de prier pour tes enfants qui arrivent dans le nom de Jésus. À travers ton mariage, ils arrivent. Et cette bénédiction part sur le futur fruit de tes entrailles. Alarama Shakataya. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. C'est que la rabouche. Mais que les brosses, les malarosés. Et les malaroches. Alarama. Saisis nos enfants. Saisis ses enfants. Oh gloire de Dieu. Malaroche, il est la marasée. C'est que tu es là-bas, Père. Répand ton esprit. Répand ton esprit sur toute chair, sur nos enfants, sur les parents, oui, mais en particulier sur les enfants. Répand ton esprit. Accorde-leur la grâce de connaître ton intimité, de connaître les craintes de ta présence, de connaître la pression de ton amour. Que l'amour de Jésus-Christ presse les enfants, là, à l'école maternelle, au lycée, au collège, à la primaire, presse les enfants, rends-les conscients de toi, conscients de ce que tu as avec eux, escorte-les, accompagne-les, parle-leur, rends-leur témoignage chaque jour de ce qu'ils sont enfants de Dieu, de ce qu'ils ne sont pas seuls, de ce que tu es avec eux. Remplis-les de l'esprit d'amour. Presse leur cœur par la foi de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu.
Que ta main soit sur eux. Chaque fois qu'ils sont à l'école, que ta main soit sur eux. L'esprit d'intelligence, l'esprit supérieur de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit d'excellence, l'esprit de diligence, l'esprit de créativité, l'esprit d'éclat. Saisissent nos enfants, de la tête jusqu'aux pieds. L'esprit de joie, indescriptible et pleine de gloire, remplisse les cœurs de ses enfants. Et en face des témoins dans leur école, des témoins à la maternelle, des témoins à la primaire, des témoins au collège, des témoins au lycée, des témoins à l'université, des témoins dans la sphère professionnelle, des témoins. Il en faut plus que la prière. Il en faut la gloire de Dieu. Enveloppe-les. Enveloppe tous les témoins. Enveloppe tous les membres et les amis et ceux qui sont connectés au sens de la voix de ton serviteur. Mais cette fois-ci, pas que les parents, pas que les adultes. Prends ceux qui sont là-bas même. Enveloppe-les. Les enfants sont les premiers à dire. Tu l'as entendu, papa? Le Saint-Esprit a dit. Quand tu voudrais les encourager, il dira non, maman, ne t'inquiète pas. Que tu passes une vie avec moi. C'est la conscience de Christ. Saisisse leur cœur. Et fasse-le des lumières au milieu des ténèbres. Distingue-les. Rends-les supérieurs. En intelligence, en diligence, en productivité, en sagesse. En comportement, mets-les au-dessus de la mêlée. Éduque-les. Abba. Escorte-les. Te suppléons. Que ce soit eux qui appellent les parents à la prière. Oh là là, allez, Damaros. Produis en eux la soif et la faim de ta présence. La faim de la parole de Dieu. Père, lève les mains. Par ces mains levées, nous te consacrons tous nos enfants. C'est un signe d'abandon, nous te les recommandons. Nous te recommandons cette rentrée, cette année scolaire ou universitaire. Hé, hey, distingue ton peuple. Chalalabosé qui était là-bas, ziyéné là-bas. Nous allons prier. Contre toute forme d'accident, d'incident. Accident, incident, catastrophe, fléau, calamité, dévastation, incendie, accident de voiture, accident à l'école, accident au travail, accident. Et contre toute forme de mort prématurée. Père, prions d'abord contre des accidents. Il faut distinguer, je le sens. Élève la voix, élève la voix. Bien-aimé, ta prière ce soir a du poids. Tu vas sortir d'ici avec 9 mois. Les 9 prochains mois, tu les conçois ce soir. Sakata, lembroko, sakata. Lembreko, shilaleba.
Gloire de Dieu, gloire de Dieu, escorte ton peuple, environne-nous de ta grâce à part, comme d'un bouclier. Garde nos départs et nos arrivées, nos centres, nos entrées, nos sorties, nos allées et nos retours. Aucune agression, ni à l'école, ni à la maison, ni dans la rue, ni nulle part. Aucun incident, aucun abus, aucun viol, aucune agression verbale, aucune agression physique. Que l'esprit de crainte de l'Éternel se pose sur ton peuple, se pose sur nous, se pose sur nos enfants, et que la marque de la distinction surnaturelle parle, parle, parle. Le jour ou la nuit, quiconque voudra agresser, attaquer, molester, abuser de quiconque appartient à cette maison, quiconque est connecté au son de cette voix, que l'esprit de crainte de l'Éternel parle en ta faveur au nom de Jésus. Que l'esprit de distinction, que la terreur de Dieu soit sur toi et sur tous les enfants de Pax Chrétien. Tous les enfants des amis de Pax Chrétien. Que la terreur de Dieu fasse de nos enfants et fasse de toi quelqu'un à qui on n'a pas envie d'avoir affaire. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de provoquer. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de stigmatiser. Quelqu'un qu'on n'a pas envie de brutaliser. Quelqu'un qu'on n'a pas envie d'agresser. Que la terreur de Dieu vienne sur toi et t'escorte tous les 9 prochains mois et fasse de toi un sujet de terreur pour les méchants. Un témoignage de faveur. Tu attires les gens bienveillants. Nos enfants attirent les bonnes fréquentations. Quiconque va essayer de rabaisser, de diminuer, de molester, de mépriser à l'école, d'organiser des cabales contre un seul enfant qui est placé sous ce manteau spirituel, que la terreur, que le Dieu qui est rentré dans le songe de Abimélec, lorsqu'il a touché à la femme de Abraham, il a voulu faire encore la même chose avec la femme de Isaac. Quand il a touché la femme de Abraham, Dieu est rentré dans le songe d'Abimélec et lui a dit: tu touches à cette femme, je te frappe, toi et toute ta maison. En vérité, il avait déjà commencé à frapper la maison. Et Abimélec a dit: il m'a dit que c'était sa soeur, c'est pas ma faute. Dieu a dit: tu le touches, tu vas voir. Le roi s'est réveillé le matin, il est venu voir Abraham, il a dit: prends ta femme, prends même des cadeaux, faut partir. Je n'ai pas de problème avec ton Dieu. Que l'esprit de terreur de l'Éternel entre dans les songes de quiconque va former une coalition contre nous ou nos enfants. Pour dire: faisons-leur la peau, attaquons-les. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans le songe de quelqu'un, c'est pour lui dire: ne le touche pas. Je n'ai pas envie de te détruire.
rancune. Père, ce que tu as fait pour Abraham et Isaac, fais-le pour ton troupeau, ton peuple, ton héritage, au nom de Jésus. Et ceux qui écouteront et obéiront, fais leur grâce. Ceux qui n'écouteront pas, les sorciers, les méchants, les incantateurs, les désirs de bonne aventure, ceux qui aiment appeler le malheur, la mort, l'infortune, qui n'écouteront pas ta voix leur dire, pas lui, pas elle, je les rachetais. Je les rachetais à eux. Ils sont marqués du sceau du Saint-Esprit. Ils sont intouchables, ils sont la prunelle de l'œil de Dieu. Ceux qui n'écouteront pas, qui dira, je m'en fous, je vais les attaquer. Père, juge-les. Père, juge-les. 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 Enlève selon leurs hommes. Enlève selon leurs hommes. Enlève selon leurs hommes. Enlève selon leurs hommes. Ceux qui conspirent contre l'Église, conspirent contre tes serviteurs, à travers des cabales, ils planifient la ruine, la destruction, la mort, la division. Convainc-les que cette œuvre n'est pas de l'homme, elle est de toi. Convainc-les comme tu as convaincu Saul de Tarse. Que c'est à toi et pas à des hommes qui sont en train de s'en prendre. Convainc-les de reculer. Père, et ceux qui vont persister, malgré le fait que toi tu leur dis, il te sera difficile de regerber contre les aiguillons. Pourquoi tu me persécutes? Malgré le fait que tu leur montres que cette œuvre n'est pas de l'homme. Aucun homme ne peut faire. Malgré le fait que tu parles par des signes, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ceux qui refusent, qui préfèrent mépriser, paix, juge-les. Que le rétributeur des méchants agisse et rende à chacun selon ses œuvres au nom de Jésus. Et ne laisse pas les méchants prospérer et ne les laisse pas croire. Tu n'existes pas. Dieu de justice, fais parler ta justice dans le nom de Jésus-Christ. À la rose, et à la rose, l'icata lebrosa. Donnez-moi lui. Les mararos, je les rame. Abba, si tu as ton huile, je te présente ton huile. Église connectée, en présentiel restreint dans tous les campus, et famille connectée à travers Internet. YouTube, Facebook, Smart ICC, et part en lui. Et les malaroches générales, ça que tu as les roses, Abba. Cette prière vient consacrer les 9 prochains mois. Elle vient consacrer nos familles, consacrer nos enfants.
Je dis, recommande ton sort à l'Éternel, mets lui ta confiance et il agira. Tu as dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Nous te reconnaissons ce soir. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Nous nous appuyons sur toi, sur ta grâce. Sur le poids de ta gloire qui fait asseoir sur nous. Nous te présentons ces bouteilles d'huile. C'est de l'huile ordinaire. Mais par le mystère de la prière d'action de grâce, nous croyons et savons que tout est consacré, sanctifié par la parole et par la prière. Te consacrons cette huile. Par la prière d'action de grâce et de recommandation, que ta main vienne se positionner. Toutes les paroles qui ont été prononcées pendant ces trois veillées, par le mystère de la foi, dans l'huile d'onction, nous prions que ces paroles pénètrent ces huiles. Tous les dépôts qui ont été déposés, les téléchargements qui ont été téléchargés, pénètrent cette huile. Ainsi, les destins sont enfantés et ces paroles seront scellées par cette huile. Tous les jugements des méchants qui ont été relâchés, proclamés, pénètrent cette huile. Toutes les paroles prophétiques qui transportent tes projets, révèlent tes projets de paix et non de malheur, pénètrent cette huile. Toutes les forteresses, les paroles de destruction, les forteresses qui ont été proclamées ce soir pour déclarer et décréter que les voies des geôliers de la peur, du rejet, de la débauche, perversion sexuelle, colère, rébellion, amertume, animosité, haine, les voies intérieures, les addictions, de la dépendance, de la culpabilité, de la maladie, de la sorcellerie, ces voix qu'on entendait, il a été dit, on ne les entendra plus. Toutes ces paroles d'autorité pénètrent dans cette huile. La gloire que tu as proclamée, que tu as relâchée et qui va nous escorter par le mystère de la foi dans l'huile d'onction. Cette gloire pénètre cette huile. À l'occasion de cette rentrée scolaire, universitaire, professionnelle, quiconque est marqué par cette huile, Père, mets ta main sur elle. Que toutes les paroles proclamées, la pire de la tête aux pieds, esprit, âme et corps, que les maladies sèchent à la racine, que les organes inertes morts reprennent vie au contact de cette huile. Que les bras des méchants soient taillés aux pièces au contact de cette huile. Que la mort recule. La voix de l'homme de la mort dégage. L'esprit de mort qui planait
sur mon frère, ma soeur. L'esprit de mort qui planait depuis que tu as perdu un proche, il y a un lien de l'âme qui n'a pas été défait. Il y a un esprit de mort qui est rentré parce que tu n'as pas fait de deuil, tu es resté attaché et tu ne t'es pas rendu compte que tu as ouvert la porte à un esprit de mort. Tu sens des présences, ce n'est pas le Saint-Esprit. Une présence qui t'effraie parfois. Quand tu es dans l'obscurité, tu sens une peur, je ne sais pas à qui elle s'adresse cette parole. Tu sens une présence, c'est l'esprit de mort, mais c'est parce que c'est toi qui l'as hébergé, c'est toi qui l'as invité à travers un lien d'âme. Il y a des gens, il faut laisser partir. Il y en a d'autres, ce sont des songes. Tu vois des scènes de mort, tu vois toujours des gens qui meurent. Tu vois des cercueils, des cimetières. Tu as perdu beaucoup de poids de manière inexpliquée. Tu es en train d'être réclamé par l'esprit de mort. Père, quiconque connecte à cette huile, quand cette huile touche son front, que le joug de la mort soit brisé dans le nom de Jésus. Que l'esprit de mort dégage de là où il vient. Repars de là où tu viens. Où est ta victoire, mort? Où est ton aiguillon? Tu n'as le droit de n'emporter personne. Jésus-Christ, notre grand frère, tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Toute réclamation de mort qui a été adressée, envoyée vers ta vie, retourne à son expéditeur. Cette huile te rend intouchable. Quand tu mettras ta main sur ton front, quiconque était dans le couloir de la mort prématurée, quiconque avait les organes détruits de l'intérieur, les poumons, le cœur, le cerveau, les intestins, les estomacs, tout ce qui est en train de pourrir, l'odeur de la mort approchée, au contact de cette huile, il est dit, vous imposerez les mains aux malades, vous soignez, vous soignerez l'huile. De l'onction, la prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera. Relève quiconque sentait la mort à cause du cancer, à cause d'un diabète, à cause du coronavirus, à cause des estomacs pourris, du cœur, des poumons, là où la mort approchait à grands pas. Et les organes se pourrissaient de plus en plus au contact de cette huile. Père, que la vie pénètre les corps, que la mort soit expulsée, que les jours de cette personne soient prolongés afin qu'elle serve à accomplir tes desseins sur la terre des vivants. Malaroche. Leketoramai siraboche. Tu peux commencer ce soir. Prends une portion de cette huile sur toi. Sur ton front. À toi. Quand je veux dire toi, je veux dire Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu. Tu vas dire Saint-Esprit. Est-ce que tu crois qu'il te sera fait selon les paroles qui ont été proclamées? Alors élève la voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. On a bientôt fini, rends grâce à Dieu. Libra cose que te la mararo. Chérie la 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 la.
gloire de Dieu en moi, je prie. La gloire de Dieu en moi, je prie. Je dis à la rose qui était la main. J'ai dit deux. Oh Saint-Esprit. Et l'Esprit de gloire. Oh Pâcre. J'ai la main. Qu'il nous soit fait. Il nous sera fait selon les paroles que tu as inspirées à travers ton serviteur. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh Abba, nous te rendons grâce pour le ministère du Saint-Esprit. J'ai dit, toi, Saint-Esprit, Malérocosité là-bas, Saint-Esprit, ah, Saint-Esprit, il nous soit fait selon toutes les paroles que tu as inspirées à travers ton serviteur. L'onction de Dieu est là. Le dépôt de Dieu est là. La main du Seigneur est là. De la même manière que Caïn a été marqué, nous sortirons de la marquée. Chacade Ramabarosa. Revêtu, ouais, équipé. Embrasé, bouillant, scellé, fervent. À la rosée. Effusion, ah, effusion, ah, effusion, effusion du Saint. Que cette main localise nos enfants. De la maternelle, Père, déjà de le voir dans le ventre, les personnes enceintes, les femmes enceintes. Que cette main du Seigneur localise les grossesses, localise les enfants à la mamelle, à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à l'université. Que cette main du Seigneur localise et habille et décore nos enfants. Et parce que l'onction fait la différence, nous te rendons grâce. Ces 9 prochains mois sont des mois de témoignage pour des témoins à la gloire de ton nom. Abba, nous te rendons grâce. Abba, nous te rendons grâce. Les voix qui molestaient, tourmentaient, parlaient à l'intérieur, on ne les entendra plus. L'onction fait la différence. L'onction scelle ce dépôt. Réquisitionné pour la gloire de Dieu. Père, nous te rendons grâce à part. Dans le nom de Jésus le Christ. Oh Père, élève la voix, élevons la voix. Rendons nous remercions. Remercions le Seigneur pour cette soirée. Malakosite le maraïra. Oh, remercie-le pour ce que ta destinée. Va réécouter. Les paroles libérées il y a 2 semaines, les paroles libérées la semaine dernière, les paroles libérées cette semaine, elles sont scellées. Quand tu toucheras tes enfants, si tu ne les as pas touchés encore, tu diras simplement, qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. Proclamé par son serviteur. Et tu poses cette huile. L'onction parlera. L'onction parlera. Et toi tu témoigneras. Au nom de Jésus, le Christ Père.
te remercions. Abba, oui, merci. Je te remercie. Je te remercie. L'Esprit m'a dit, Église, Impact Centre Chrétien, toutes les églises, faites tout, organisez les temps de prière, n'attendez pas le pasteur Ivan, organisez, lundi, vous avez des agendas, l'Esprit veut atterrir dans chaque église à part Centre Chrétien dans le monde. Et il veut attirer à lui les âmes des territoires dans lesquels vous êtes. L'Esprit m'a dit, il a activé. Maintenant, appuyez, frappez, continuez de frapper. Vous n'êtes pas obligé d'être nombreux. Non. Je parlerai à tous les pasteurs. Vous n'êtes pas obligé d'être nombreux. La gloire veut s'intensifier et se répandre. Vous n'êtes pas obligé d'être nombreux. Quand à Ivry-sur-Seine, plusieurs années en arrière, en 2007, je crois, c'est ça, lorsque nous avons L'Esprit m'a dit, ICC, cherchez-le comme jamais. Quand tu veux une dimension de Dieu que tu n'as jamais eue, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. En province, à Paris, engager des dynamiques de prière, la clé, c'est la gloire. Elle doit se répandre, augmenter, croître, se déployer. Lundi, mardi, mercredi. Ne dites pas mardi, on a formation PCNC. Tout le monde ne fait pas le PCNC. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'agenda. Convoquez l'église. Cherchez Dieu. Suppliez Dieu. Invoquez Dieu. Lui, lui et lui. Faites-le la nuit. Faites-le le soir. Et faites quelque chose. Il m'a dit, quand vous allez faire ça, vous allez être émerveillé de voir comment la présence manifeste de Dieu va atterrir et se propager. Ça ne sera plus parce que son serviteur ici est en train de conduire. Ça sera parce que chacun d'entre vous, ensemble, vous aurez appris à le chercher. La gloire de Dieu, ce n'est pas pour un soir. C'est une présence. C'est un environnement qui doit t'accompagner partout. Si tu ne la nourris pas, cultive pas ce que tu as ressenti aujourd'hui, tu ne la ressens plus demain parce que c'est parti. La présence qui est venue dans ma chambre en 1996, c'est là que tout a commencé.
ne m'a jamais quitté. Elle n'a fait que s'appliquer et s'intensifier. Elle n'a jamais diminué. Elle n'a fait que croître. Pas parce qu'elle était venue, mais parce que j'ai décidé, pasteur Ipaï, d'en faire. Et pasteur Mohamed, c'est le même secret. On a décidé d'en faire notre priorité absolue. Ne te contente pas de ce que tu as reçu ce soir. Avec ce que tu as reçu ce soir, va dans le lieu secret. Dis-lui, c'est toi que je veux. Je veux rencontrer celui que mon pasteur a rencontré. Oh, je ne parle pas au pasteur, je parle à chacun d'entre nous. Tu seras choqué. Ce que l'esprit est capable de faire. Que cette grâce remplisse ta vie. La grâce de le désirer, lui. La grâce de faire de lui avant tout le reste ta priorité. La grâce de lui dire, si ce n'est pas la guérison, si ce n'est pas la délivrance, je veux ces choses, mais je veux toi d'abord. Ne me donne pas le reste si tu ne me donnes pas toi. C'est le genre de prière qui la crée. Incline la tête et remercions Dieu pour cette nuit. Ton destin a été enfanté. Écoute-moi. Ton destin a été enfanté. Repositionné. Là où tu t'étais égaré, la main du Seigneur est venue te repositionner sur le couloir. La gloire est venue t'escorter ce soir. Maintenant, je t'en supplie. Père, cultive, nourris, demeure. Amplifie par la soif. Par des prières où tout ton cœur demande à Dieu, Dieu ne demande pas le reste. Il a dit, fais de l'éternel. Le reste, on a demandé pour toi. Nous, on a demandé pour toi déjà. Ne demande pas le reste. Il a dit, fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Demande-lui. Oui. Et tu vas être émerveillé de voir ce que l'Esprit va faire en toi, de toi, par toi et pour toi. Cette grâce de le désirer lui seul et d'amplifier sa gloire dans ta vie. Sois relâché sur toi au nom de Jésus. Abba, nous te remercions. Élève la voix, remercions-le, remercions-le, remercions-le. Thank you. Nous te remercions pour ces trois veillées. Nous te remercions pour la suite où tu vas nous inspirer. Mais ne nous laisse pas cesser d'invoquer ton nom, de rechercher ta face, de te supplier d'atterrir. Tu ne veux pas t'arrêter à la dimension où tu nous as trouvés aujourd'hui. Tu veux amplifier, augmenter l'intensité. Et nous te rendons grâce de ce que c'est ce que tu feras parce que tu te trouves en nous des cœurs bienveillants, désireux. Te donner la première place et de faire de toi leur priorité absolue. On verra ta gloire manifestée au milieu des ténèbres. Église, si dans toutes les églises, vous comprenez, vous activez ce que je dis. Avant la fin de cette année, ce seront des cascades de témoignages, de vies transformées comme vous n'avez jamais vu. Voilà pourquoi, si toi tu es rassasié, on te comprend. C'est pas grave. Mais beaucoup d'entre nous, nous voulons plus encore.
Donc nous, nous allons nous continuer. Même si on n'est pas connecté sur Internet, je parle maintenant dans les églises présentielles, dans les différentes villes. Nous allons nous retrouver. On va voir avec les pasteurs comment. Mais ceux qui veulent prolonger, qui veulent amplifier, seront servis. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun d'entre nous. La main du Seigneur t'a localisé. L'onction du Seigneur est sur toi. Toutes les paroles qui ont été proclamées s'accomplissent et te décorent totalement de la tête jusqu'aux pieds. Ton esprit, ton âme, ton corps sont décorés par la gloire de Dieu, habillés par la gloire de Dieu, revêtus de la gloire de Dieu. Ton destin a été repositionné. Il a commencé à parler et il émettra un son qui sera amplifié. Tu vas voir la gloire de Dieu briller sur ta vie au milieu des ténèbres. Nous te remercions, Père, parce que tu confirmes la parole de ton serviteur. À toi la gloire, l'honneur, la louange, l'action de grâce. Toi qui nous accompagnes dans nos demeures respectives. De parler le sang de Jésus. Nous sommes déjà intouchables, c'est terminé. Les voix de peur, on ne les entendra plus jamais. Mon frère, ma soeur, bienvenue dans ton destin. Acclame le Seigneur à propos de ton destin. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Amen. À la décoration, la distinction, l'onction. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de faire une offrande d'action de grâce à Dieu pour ces trois vendredis spéciaux. Si tu vois que ton destin a été enfanté, il a dit mon juste vivra par la foi, alors il est normal et naturel de rendre grâce à Dieu et de sceller ce que tu crois avoir reçu par une offrande d'action de grâce. Il n'y a pas de montant, fais en fonction de ton cœur. Et si tu peux, sème quelque chose pour sceller le dépôt que tu as reçu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour ces offrandes que nous recevons avec action de grâce. Nous ne pouvons pas acheter ta bénédiction, mais nous pouvons te dire merci. Tu as enfanté nos destins. Tu as libéré de la force, des forces. Et il n'y a aucune puissance des ténèbres qui est capable d'empêcher cette parole de s'accomplir. Il est écrit dans 1 Roi 8 au verset 56 de toutes les paroles que tu as proclamées par la voix de ton serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Ça sera notre expérience à nous aussi maintenant au nom de Jésus, parce que tu ne fais pas de favoritisme. Honneur, louange et gloire te soient rendus à bas. Merci Père. Destin parleront. On avait dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth souffrait de préjugés. Mais il ne savait pas que ce n'était pas la ville, c'était le résident. À cause de ce résident en toi, les pronostics négatifs sur ton futur et ta famille seront changés à travers ta vie. Que la main du Seigneur soit sur toi. Repartez en paix.
Au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. 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 Paniers pour ceux qui veulent déposer leur enveloppe devant et derrière. Ceux qui sont sur internet, vous avez le lien habituel que vous connaissez maintenant. Le lien des dons, suivez les instructions. Excellente nuit, la main du Seigneur est sur toi. Vaillant soldat, vaillant soldat, vaillant guerrier, vaillant guerrier. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce.